السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديرو ان دياغنوستيك لو كالكولاتور ايرباك. كيفاش نقدو نقروه سير طابل؟ كيفاش نقدو نقروه سير طابل؟ كيفاش نقدو نقروه سير طابل؟ وكيفاش نديرو لا ليزون اونتر هذا وهذا سير طابل، اونتر لو سكانر وال الايرباك، ومن بعد نديرو لا ليزون ديريكتومون باش الاليمونتو هذا باش الاو بي دي يقرا الكالكيلاتور ايرباك سير طابل. سير طابل واحد الاخ ارسل لي فيديو وقال لي ماذا بك تنشر باش تعمل الفائده ان شاء الله. اللي راه حاب كيفاش يشغل ايرباك سير طابل راه ارسل لي فيديو، غادي ندير لكم غادي نبارطاجي معاكم خوتي. شو لك انا حاجه برك، اللي عنده كاش فيديو شباب ولا عنده استيس عفسه شابه راه باغي يوريها يرسلها لنا في الخاص وحنا نديرو دياغنوستيك. لا نعرفوها بلي ايفيكاس، رانا نبارطاجوها مع خوتي وما باش تعمل الفائده. صاي خوتي، السلام عليكم. اللي حب يتبع على التعب غادي نبدو في الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour la lecture sur table d'un calculateur Autoliv Renault 610 90 46 00 avec Delphi ou Wow. Et puis après, on va utiliser son logiciel. Fad al-Halahadi, quand tu avoir à lever un crash, ou alors déjà savoir l'état du calculateur. Donc, on a là, on a le bornier, le calculateur. Donc, quand tu on va avoir besoin de 4 fils. هذا هو البورنيي. درت هنايا سور بابي. دونك غنحتاجو في لو بين 11 غنحتاجو الكان هاي 6. درت هنايا هي اللي غتجي في المال نتاع الاو بي دي، نتاع الواو. من بعد ابخي دان لو 10 بين 10 كان لو، وال14 غتمشي الكان لو، غتمشي في ال14 تاع البين الواو. اون فاوار بوزوان، غادي نحتاجو 2 فولت في البين 7 نتاع الكالكولاتور، وفي البين 16 نتاع المال نتاع الواو بريزو بي دي كتجي هنا. هنايا في البين كنقراو المقلوب على حساب بارابور ا بارابور لا فيميل كي دان لا فواتور. دونك كومونس بار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دونك من بعد on va avoir besoin ground اللي هو لو ماس بيان سور في البين 18 dans la pin 18. غادي ندير معاكم هادشي ان لايف باسكو جي شيرشي بارتو دونك جي غاليري. ابري هنايا كاينه واحد ليستراسيون de l'OBD. Donc déjà pour comprendre ce que schéma enfin j'ai expliqué tout à l'heure. Donc le 4 voit la masse, de l'OBD. La masse de l'OBD. Kanhai, on va la mettre dans le 6. Le 14, le Kanlai. Ou le 12, bien sûr, va dire le pin 16. Donc moi j'ai qu'une batterie, enfin j'ai une batterie de 2 volts juste pour essayer
Donc, on va s'équiper petit à petit, mais pour l'instant, voilà quoi. Donc, c'est suffisant. Toujours tout ce qu'il nous faut. Alors, les fils. On va avoir besoin du ground. Canlow. Ou plutôt, canlow, canhai. S'en fout. Le plus, awahna. Donc, le plus, les branchements taro. Donc, y en a un qui va partir au calculateur et l'autre à l'OBD. C'est pour ça que j'ai mis DERT juge sous des trônes avec la gaine thermorétractable. Bon, c'est pas facile avec une seule main, mais bon, on va y arriver. Là, je vais brancher le plus. Plus full pin 16. Je vais essayer avec. Alors, le pin 16, elle est là. Là, regardez, l'OBD, enfin, il n'est pas allumé. Enfin, le appareil de diagnostic. Wow. Heda, celui-là, on va le laisser pour le plus du calculateur. Après le moins, je branche à la batterie. Il y en a deux pareil. Il y en a un qui va partir au calculateur et l'autre à l'OBD. Donc ici, on va le brancher sur le 4. Regardez de suite là. Voilà, tic. Là, c'est allumé. C'est allumé l'appareil de diagnostic. Après. On a dit le ground, c'est dans la pin 18 au niveau du calculateur. Le ground ou la masse. D'accord? Donc la masse ici, c'est la pin 18. Donc là, on calcule, enfin, on compte quoi. Donc je fais un peu de lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, c'est là. Alors, 18, c'est ici. 18, il est là. D'accord. La masse, 12 volts, 7, pin 7. C'est pareil. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va la brancher là. Donc voilà. Ici, on a le plus et le moins. Après, on va prendre le canlay. On a dit c'est dans le 10 du calculateur qui va sur le 14 de l'OBD. Alors 10, 7, attends, je vais essayer de vous montrer un peu plus. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Bon, c'est pas facile. 7, 8, 9, 10. Qatt la vidéo, je peux pas faire les branchements avec une seule main et filmer. Donc voilà, là les branchements sont donc, comme sur les schémas là-bas, le 16 sur le 7 de calculateur sur 12 volts, 10 sur canlow et le 11 sur le canhigh ou 18 sur le ground. Maintenant, enfin, les branchements après c'est pareil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le plus donc sur le 16, donc il est là, le 14. Fait le canlow
ou 6 filkanaw filkanaï pardon ou 4 درنا فيها الجراند غادي نسييو بالديل فيه ou l'autocom c'est pareil hein. Donc c'est un calculateur de Renault comme on a dit Autolive. Donc Renault Scénic 2 2007 2006 plutôt 2007. Donc là on va choisir limitation coussin gonflable diagnostic. Là, on va la lancer, on va lancer la recherche des défauts. Donc là ça commence la lecture, ça communique bien. Ici pareil, il est en train de chercher. Voilà, la communication est établie. Là on va lire les défauts. Donc là, bon, enfin, c'est un calculateur quand même qui a pas mal de défauts là-dessus. Il a pas mal de défauts, donc même si j'efface, ça va rien changer. Donc voilà, ça permet de voir les défauts qu'on a, si on est amené à réparer un crash, et de voir s'il est bien élevé, si l'état du calculateur il est resté intact, ou bon, voilà quoi. Donc ça arrive des fois là qu'on crame des calculateurs juste en faisant, en enlevant le crash, si on le fait pas bien. Donc il faut faire attention à ça. Enfin, la meilleure manière, c'est d'enlever les proms et de le lire indépendamment, et après d'enlever le crash avec les outils adaptés, les logiciels aussi pareil. Donc là, même si je fais efface défaut, voilà, effacement impossible, décode défaut. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Ce qui nous a intéressé jusqu'à maintenant, c'est de savoir lire un calculateur d'airbag sur table. Donc voilà, on a besoin de 4 fils. 12 volts, can lie, il can high, ou la masse, ou la ground. Et une batterie, voilà, 12 volts. Et pour les gens qui sont équipés d'un appareil de 12 volts continu, donc voilà, ça prend moins de place. Mais bon, moi j'ai de la place. Je voulais juste partager avec vous tout ça parce que j'avais galéré là pour trouver. Bon, merci de m'avoir écouté. C'est ma première vidéo. Excusez-moi là si c'était pas trop clair. Bon, j'ai essayé de faire le tour. Si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas pour les schémas.